Salut tout le monde, bienvenue au Sims 3. Il dort encore ce petit fucker là. Il est rendu 7h, il est rendu 8h. C'est l'heure pour les jeunes enfants de ce monde à aller à l'école. Sérieux, le jeu il est buggy as fuck quand que je joue à vitesse excentrique. Fucking tutoriel. Les factures viennent d'arriver dans votre boîte. Holy shit, n'oubliez pas de les payer. Attends. Holy fucking shit. Félicitations, Gabriel vient d'améliorer sa compétence d'écriture. Yes! C'est comme ça qu'on va se faire de l'argent. Sérieux, j'ai peur pour la vie de mon gars. Je sais pas s'il peut vivre avec 178 pièces. Ça va être un défi. Sans job, là, surtout, là. Ok. Mais quand que tu vas avoir fini de dormir, fais-toi de la fucking bonne food. Fais-toi un petit déjeuner. Fais-toi des gaufres. Ça va être bien correct. Après ça, hygiène. Ouais, tu mérites-tu un bain? Of course, tu mérites un bain! Et tout le monde va pouvoir te voir! Oh my god. Puis après ça, payer les. Oh! Oh fuck! Oh fuck, c'est fucking beaucoup d'argent! Et on a 8 pièces! Holy shit, guys, on est dans le trou. On est dans le trou. C'est game over, fuck off, là. J'ai vraiment peur que mon Sims. Brûle ma maison. C'est pas comme si mon Sim c'était bon en cooking. Tabarnak. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Holy shit! Ma maison va brûler. GG. Chris, c'est juste un cooking, je pense. Si ma maison elle brûle, je ris de sa gueule. Je vais être honnête avec vous, là. Ça se peut que ce soit la fin. J'espère que ma maison va pas brûler. Hein. Je jure ça. Oh! Il a réussi! Holy shit! Holy shit! Mon gars, il est fort. Mon gars, là, il est awesome. Oh, c'est vrai, mon gars, c'est un acide porc! Fait qu'il a pas ramassé son plat! Holy shit! Ouais, c'est bon, hein? C'est bon. Ça, là, littéralement, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment avec le plat qui est en train de fucking. Nettoyer, mais non, fuck off. Tu le laisses là. Je n'ai rien à foutre. Dire, à un moment donné, ma maison va être sale comme le cas. Ouais, exactement. Ça va être la table à cochonnerie. Tu sais, c'est comme. On est toute une table à cochonnerie. Genre, c'est qu'on laisse toutes nos affaires là. Là. Moi, en fait, c'est mon petit meuble en arrière de mon lit. Je veux dire, il est sale en tabarnak, ben là. Il y a genre 50 verres là, qui traînent. J'exagère. Il y en a. Ok, là je suis en train de voir, là, il y en a 12. J'ai compté vite, vite comme ça, il y en a 12. Puis j'ai genre plein de papiers de crème glacée sandwich, là, genre des sandwichs à crème glacée. Holy shit! Il faudrait que je nettoie ma chambre, mais non. La vie de ce gars-là représente bien ma vie. Holy shit! C'est vrai, il est en train de prendre son bain, puis. Holy shit, la voiture qu'il a vue! Oh my god! Holy shit! Là, littéralement, mais tu sais, ce voisin-là pourrait m'espionner, genre, d'ici, genre, dans cette fenêtre-là, il pourrait dire « Oh, il est dans ben beau, c'est-tu? Il est en train de se la faire, Oh, les fucking shit. Ok, paye ta facture. On revient pas que t'es pauvre. GG Money. GG Money, ça, eux. Oh, fuck. Continue à écrire. Ça, eux, c'est comme ça que tu vas virer riche. Je sais pas comment tu vas réussir à être un écrivain. C'est ton seul espoir. Littéralement, finis ce livre-là. Oh, réponds, ouais, réponds, non, fuck off, réponds. Qu'est-ce que je viens juste de faire? Réponds au téléphone, go, vas-y, va, fuck, man, je sais pas ce qui m'appelle, si, j'ai pas d'amis. Oh, quoi, don de livre, hôtel de ville, recueil des livres pour la bibliothèque, une noble cause. C'était. Non, fuck off! Exact. Ouais, envoie le chier. Envoie le chier, puis écris ton livre, ok? Fuck le livre des autres. Finis ton livre sur les Dank Memes. On va se faire du cash comme ça. Puis ben oui, holy shit. Je pense qu'il est bientôt fini. Oh! Oh, ok. Attends, il se passe des trucs là. Je viens de terminer son premier roman, il n'oubliera jamais la facilité avec laquelle les mots jaillissaient. Oh, c'est cute. Oh, ok, fait que.
96 pages de pure adrénaline. Gabriel va recevoir 6 paiements de droits d'auteur de 40$. Les paiements seront reçus le dimanche à midi. Dude, c'est pas assez. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour vivre, là. Tu peux-tu pirater? Quoi que tu pourrais écrire quelque chose d'autre? Acheter des livres et... Non? Qu'est-ce... Ouais, c'est ça. Take a shit, puis après ça, on va écrire un autre livre. Ok, on va écrire... Commencer une fiction, ok? Ok, let's go. Ouais, take a shit, puis reviens. Ok, good, good. Elvis était un opérateur du marché financier. Non, non, non. Une fiction qui s'appelle J'aime trier le poil de mes jambes. Virgule, ça fait du bien. Ouais. Ouais. Oh god! Ça va se vendre. Je le dis, man. Ce livre-là aussi va se vendre. Faites-moi confiance. On a juste. Écoute, j'ai moins d'argent de quand qu'on a commencé. En fait, qualité normale. Je peux lécher mon assiette? Let's go, on va faire ça. Mais juste après que t'as écrit une... Dude, qu'est-ce que tu fais habillé? By the way, change ta tenue pour pyjama. Ça va être dans mes plans pour ce soir. Jamais de ma vie que j'écrirai un livre. En fait, quand j'étais petit, j'ai voulu écrire un livre, mais cette idée-là a vite tombé à l'eau. Je vous avoue, là, j'ai voulu comme écrire un livre de fantasy, comme un peu... comment ça s'appelle déjà... comment ça s'appelle déjà la série québécoise, genre du dude, genre qui contrôle les masques. Genre t'as comme le masque d'air, le masque du feu, il y a comme genre 15 tomes, je crois. Amos d'Aragon! Ouais, Amos d'Aragon! Et combien de livres de Amos d'Aragon, sérieux, je suis curieux, parce que sérieux, quand j'étais petit, j'ai voulu... J'ai voulu lire les Amos d'Aragon, je pense que je suis rendu au quatrième, puis après ça, j'ai genre totalement abandonné. Ok, il y a juste 12 tomes. Parfait. Puis genre, les 4 ou 5 premiers tomes, c'est littéralement sorti dans la même année. Là. Holy shit, sérieux, Brian Perrault, là, il pondait des Amos d'Aragon comme ça avait pas d'allure, sérieux. Puis moi, ben, je pond aussi des acides livres de marde. Ah ouais, il travaille plus vite. Holy shit, 8 piastres encore. J'aime trier le poil de mes jambes, tabarnak. Ça veut dire il peut passer toute une soirée à écrire de la fucking marde. J'en reviens pas. Ce dude-là, en ce moment, il est plus... Oh, holy shit, tu veux avoir du fun? Comment qu'on fait pour avoir du fun dans ce jeu-là, outre que... Ouais, tu peux... Holy shit! Puis pirate. Pirate, mon tabarnak. Pirater. Good. Puis il fait nous du fric. Ça veut dire, si la police s'en vient pis que t'es un homme arrêté, là... Je ne t'aide pas. Apparemment, pirater, c'est le fun. Parce qu'il t'entend. Oh! Oh, sweet money! Man, fuck l'écriture, là. Tu vas te faire ton argent par pirater, ok? Viennent de réussir son premier piratage informatique, ça se souvient. Nice. Si tu mets ça dans ton livre des records. Maintenant, je suis rendu level 3 en écriture. D'autres argent par rapport à j'aime trier le poil de mes jambes. Sérieux, holy shit! The money is going on my bank! The money, sweet ass money! Holy fucking shit! Je sais pas comment tu fais, man. Mais, dude, c'est good. C'est good. J'ai plus besoin d'argent, j'ai plus besoin d'écrire. Il a juste à pirater pendant toute sa vie, pis c'est comme ça qu'il va se faire son cash. Ouais, c'est ça, take a shit après ça. Non, non, take a shit pendant que t'es en train de pirater. T'as eu à pirater toute la nuit, hein. C'est ça, ouais, ok, ouais, c'est ça, t'as des problèmes d'anus, va chier, man. Va, go, go. Tu t'as mérité, tu t'es fait plus d'argent en piratant que personne va t'acheter ton acide livre de merde de Aircon That Boy, là. Pis j'aime trier le poil de mes chats. Tu peux aller dans mes soeurs aussi, là, je veux dire, t'as mérité ton petit cadeau, là, tiens, c'est ton cadeau. Allez dormir. Tu dors à 6h26 du matin, ouais, une heure assez raisonnable pour dormir, je vous dirais. Je veux dire, fuck off, sérieux, quand tu travailles pas, là, tu peux dormir à n'importe quelle heure tu veux, c'est super confortable, puis j'espère que j'ai pas d'autres factures à payer.
Parce que ça, j'ai besoin d'argent. Fuck off! Ok, en te levant, je sais que t'as faim, mais peux-tu genre... Non. Sérieux, je viens de... Oh, prends une assiette des gaufres toutes périmées, ouais. Holy shit, j'avais totalement oublié qu'il avait fait des gaufres. Anyway, je suis tellement crasseux que... Ouais, c'est encore bonnes ces gaufres-là. Puis, fuck l'hygiène, être propre, c'est pour les gens riches et célèbres. Continue ton livre. Ou je pourrais pirater, là, mais... Ok, il me donne pas l'option. Fait que... Ouais, continuez d'écrire, j'aime me trier le poil de mes jambes, ça fait du bien, avec un peigne. Ok, good. Ok, ce fucker-là va se réveiller bientôt. Bon, allez, je sais pas s'il va bouffer la gaufre qui est toute périmée. D'après moi, oui, mais là, c'est un crasseux, fait que d'après moi, ça va être bien correct. Yo, personne m'a dit de tendre. Ah ouais, le vrai test, est-ce qu'il va se prendre une assiette? Ah, il sent calisse. Puis ça a l'air tout propre. Ah, non, finalement, c'est pas propre. Good. Il sent calisse. Ah, non, il sent calisse. Oh. Oh. Non. Il sent calisse, mais pas vraiment. Tu sais, je veux dire, il trouve ça dégueulasse, mais. Tu vois. Ah, c'est bon en crisse. Pourquoi? Ok, ouais, c'est ça, laisse-les. Ouais. Ouais, parfait. Puis va écrire ton esti de livre de marde. Tu sais quoi? Tu pourrais sortir, puis t'introduire à quelqu'un, en bobette. Je pourrais, genre, aller à mon voisin, chez mon voisin, puis aller me balancer pour whatever reason. Yeah, c'est ça que je vais faire! Juste après qu'il ait écrit son livre. Son assis de livre que personne va acheter de toute façon. Holy shit! Oh, attends, on arrête ça, ok? 43 pages! Wow. Pour recevoir 6 paiements de droits d'auteur de 49 piastres. Ok, je pense que ça offre plus que Air Come That Boy. Ouais. Oh, t'es tombé pressé, man, pour aller te balancer chez un de tes voisins. Yo, c'est même pas ta fucking maison! Holy shit! Ah, oh, man, t'es dans ben! Ah, ça. Ok. Tu peux-tu rentrer dans la maison? Genre, aller, littéralement aller dans la maison des voisins puis faire de la marde? Ok, good. Ouais, ok. Fais de la marde, ok? Fuck off. Fuck off, balancé. Yo, t'sais, tu dois tellement être désespéré, genre, aller chez ton voisin pour aller faire de la marde, disons. Ok, rends-y visite puis fais le chier, man. Ouais. Attends, même encore là, ok. Fuck off. Changer de tenue. Pyjama. Ok, good. Rends-y visite. Non, fuck off! Calisse! Non, fuck off! Attends, changer de tenue. Pyjama. Fuck off. Good. Rends visite. Sérieux là. Ok. Ah yes! Ok, fait que mon voisin il est laid. Oh, c'est vrai dans ce Sims-là! Ok. Fait que fuck off! Non, arrête d'y parler, sérieux! Changer de tenue. Pyjama. Regarde la télé, genre, abuse de ton voisin, genre. Tu sais, ça, c'est ta vraie maison, mais finalement, tu utilises cette maison-là pour vivre, là. Est-ce que ce gars-là, il a une femme? Les Sims adorent discuter avec leurs amis et voisins. Oh, who the fuck is this? C'est bon que t'es... Ah, ferme... Yo, t'es fucking... Tu veux avec mon bonhomme, ça? Calisse! Ok, je te jure, man, je vais faire chier ce gars-là. Là. C'est qui ce gars-là? Yo! Yo, présentation grossière, man, je te jure, là, ce gars-là, là. Yo, fuck you, mate! Oh shit, shit is going up! Shit is fucking going up! Ouais, fuck you, mate! T'as voulu rire de ma gueule? Good. Oh,
Oh shit, man! Oh! Ah non! Ah non! Jumbo Queen. Mauvais. Oui. Insulter la maison. Yo, fuck you, mate! Tu riras pas de mes belles poils de jambe, dude. Dude, je suis un écrivain de talentueux. Je fais des assez de bons livres. VJ Snob. Ah, une autre raison pour aller se moquer du snobisme. Exactement, man. On va rire de sa gueule parce que c'est un assez de snob. Tu sais, le pire, c'est que c'est un assez de punk. Genre, anarchine de UK. Puis, Et voilà. C'est que mon gars, ça colle, ça. Puis, Ah, tu vois, ce gars-là, il va me détester, là, on va... Fuck le snobisme, as fuck. Puis, elle est où, la chambre de ce gars-là? Oh, shit, je pense que le gars, il dort dans cette chambre-là. Ok. Peux-tu prendre... Ok, prendre une douche dans sa maison. On va utiliser l'électricité de ses voisins pour prendre une douche. Puis, ouais, c'est ça, dispute-toi, là. Les Sims adorent discuter avec leurs amis. Vous l'avez dit ça tantôt, Calis. Gabriel se comporte d'une manière inappropriée. S'il continue, je lui demanderai de partir. Fuck you, mate! J'utilise ta maison comme bon me semble. Alors, et voilà. Good. Good. Oh. Oh. Ok. Fait que ça, c'est le lit de ce gars-là. Pourquoi d'abord? C'est à qui d'abord ce lit-là? Ok. Good. Yo! Yo! Gabriel, vous n'avez pas eu un comportement correct l'état... Fuck you! Yo! Je vous renvoie! C'est encore moi, c'était... Sir! Fuck off! Yo, je pense que ce gars-là, il a... Ce gars-là, il fait de l'amnésie. Ok, good, on va prendre douche. Ok, ah ouais, prends la douche. Fuck off! Juste prendre une douche, Calis! J'ai pas assez d'eau dans ma maison! C'est-tu que je suis gossant comme voisin? Ok, on fait une sieste. On fait une sieste dans ce lieu. Se détendre. Come on. Come on. Holy shit. Est-ce que ça marche? Holy shit. Oh my fucking. Oh, se détendre. Non, non, vole le lit, vole le lit. Non, non, dorme, non, go. Oh, fuck off. Dis-y de fuck off. Ok, good. Après ça, dors. Parfait. Ah ouais, dors. Dors, Calis. Juste dormir. Yes! J'ai volé son lit. Parfait. Oh, t'es sérieux, man? Fuck off! Y'a rien, sa main est lourde, il peut donc dormir dans n'importe quelle condition. Ouais, ok, bon ben... T'as l'air de fuck off dans ma maison. Et je sais pas, d'aller... prendre un vrai bain. Oh. Pourquoi? Holy shit, man. Pourquoi mes voisins me laissent pas prendre leur maison comme bon me semble, pis prends une assiette de ça, pis va te coucher. Ben, c'est ça ta journée. Fait qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? T'as harcelé tes voisins pendant un crise de long moment. Tu t'es fait un nouvel ennemi, un punk, qui est snob. Pis... Bleh. Holy shit! Gabriel est crasseux, crée du désordre. Ben oui, je le sais. Je le sais, je connais ma vie, personnellement. Ok, holy shit, man. Yo, c'est rendu qu'il mange à la salle d'ordi. Tu sais que personnellement, je fais, mais... Ok, good. Ok, good. Ouais, c'est ça, laisse le plat là. Va dormir. Une autre belle journée de rempli. Et puis, je crois que ça va être la fin de cette vidéo-là. C'était Historio Jutra. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fucked up avec les voisins. Eux autres, pour être plus précis. Wow! Wow, ok, d'abord. On va se retrouver dans une autre vidéo des Sims 3. Bonne journée tout le monde!